milieu du 1er siècle avant notre ère, une cruelle guerre civile oppose les partisans de Pompée à ceux de Jules César. Or, ce jour-là... Il est temps de faire une halte, Elius. J'ai grand faim. Ah, Elius, quel calme. Ici, on oublierait presque les horreurs de la guerre civile. Par les dieux, nous avons de la visite. Nous ne sommes pas seuls à apprécier l'endroit. Partons. Ce sont peut-être des partisans de Pompée. Quelqu'un vient. Il n'a pas l'air de nous en vouloir. Mon maître, le sénateur Valerius Cinère, vous prie d'accepter ces quelques petits pains au miel. Dites-moi, jeunes gens, n'êtes-vous pas Alix Gracius et son ami Enac, et toi, Octave, le neveu de César? En effet, Valerius Cinère, et nous te saluons. La campagne n'est pas sûre par les temps qui courent. Rentrez donc à Rome en notre compagnie. Merci, Valerius Cinère. Mais nous allons à Tarquini chercher ma sœur Lydia Octavia. C'est un ordre de César. Hé hey, attention, il attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, prodige! L'aigle du dieu Jupiter est venu désigner celui qui sera un jour le maître de Rome et du monde. Va sans crainte, Octave. L'aigle de Jupiter te protège à jamais. Une ferme incendiée. Allons voir, mais prudence. Personne. Par les dieux, Alix, c'est horrible. On dirait les restes d'un bûcher. Sans doute les partisans de Pompée. Ils ne font pas de quartier. Pas plus que ceux de César, hélas. Mais qu'est-ce que c'est? Moloch Baal, un ancien dieu d'Orient. Je me demande ce que cette statuette vient faire ici. En tout cas, la nuit va tomber. Nous pourrions barricader cette remise et y dormir. Tarquini, enfin. Nous serons bientôt chez Tilius. Et si nous faisions halte à cette fontaine? Qui est-ce? Un convoi d'esclaves, j'ai l'impression. Les malheureux. Halte! De l'eau, par Dieu. Nous sommes épuisés. Tu ne donnes pas à boire aux esclaves? Ce ne sont pas des esclaves, mais d'horribles criminels. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Bois, et passe le casque aux autres. Ah, oh, ça! Avec moi, vous autres! Restez où vous êtes! Tu es généreux. Je m'appelle Antonius, et toi? Alix. Tes prisonniers te remercient, et ton casque sera plus frais. Tu le mériterais. Sais-tu à qui tu as donné à boire? À un de ces monstres qui sacrifient des êtres humains à je ne sais quelle idole. Et alors, la justice n'exclut pas la pitié. Un donneur de leçons, hein? Prie les dieux de ne pas tomber entre leurs mains, mais assez perdu de temps. En route, vous autres! Trois gardes, ça va être un jeu d'enfant. En avant! Reposez-vous, Antonia, et gardez espoir. Lydia! C'est mon frère, Octave! César m'envoie te chercher, Lydia. Mes amis Alix et Enac ont bien voulu m'accompagner. Alix Gracius, j'ai entendu parler de toi. Dommage de te rencontrer en pareille circonstance. Que se passe-t-il? C'est horrible. Un grand malheur a frappé cette maison. Claudius, le fils de Tilius et d'Antonia, a disparu. Tous mes hommes sont à sa recherche, mais sans résultat jusqu'à présent, si seulement nous savions. Tu sais très bien que les coupables sont les molochistes, Tilius. Personne n'osera jamais les affronter. Moi, Lydia, je suis prêt à vous aider. Lydia a raison, Tullius. Mais tu n'es pas d'ici, Alix. C'est à moi d'agir. Je trouverai les molochistes et je ramènerai le petit Claudius. Si tu réussis, Brutus, tu auras mérité ma reconnaissance éternelle. J'aspire à plus que ta reconnaissance, belle Lydia, tu le sais. Je jure de revenir avec Claudius ou de ne plus reparaître dans cette maison. Ce Brutus a l'air bien sûr de lui. C'est un ami et un homme puissant. Il réussira. Mais je manque à tous mes devoirs d'hôte. Vous devriez vous reposer. Nous nous retrouverons plus tard. Parle-moi de ces molochistes. Qui sont-ils? Vous avez peut-être entendu parler du dieu Moloch Baal. Oui, bien sûr. C'est une très vieille histoire. Venez. Je me suis intéressé à Moloch Baal lorsque j'étais gouverneur en Syrie. Sous des noms et des aspects différents, Moloch Baal a été adoré par presque tous les peuples d'Orient. C'était un dieu cruel qui exigeait des sacrifices humains. Mais le plus cruel fut le Moloch Baal de Carthage. Tu as vu, Alix? On dirait la statuette de la ferme incendiée. Ce sont les marchands carthaginois qui ont apporté ce culte en Étrurie. Heureusement, l'influence romaine a fait disparaître ce culte cruel, du moins jusqu'à aujourd'hui.
Si je comprends bien, ces molochistes veulent rétablir le culte de Moloch Baal. Et aussi la monarchie étrusque, une folie criminelle. Depuis des mois, ils terrorisent la région. Ils pillent, rançonnent ou massacrent tous ceux qui s'opposent à eux. Et puis, il y a ces odieux sacrifices humains. Maître ! Non. Maître ! Mais c'est le chef de la colonne des prisonniers. C'est Lucius, un officier de la garnison de Tarquini. Les molochistes nous ont attaqués. Le malheureux, il faut le soigner. Ces criminels s'enhardissent de plus en plus, mais pourvu que Brutus... Déjà la nuit, Brutus devrait être rentré. Oh non ! Antonia ! Claudius ! Mon petit Claudius ! Non, c'est impossible. Calme-toi, Attilus. Ça m'a coûté beaucoup d'or, mais ton fils est sain et sauf. Il a seulement été drogué. Rassure-toi, Brutus. Cet or te sera rendu. Que m'importe l'or. Ta reconnaissance vaut tout l'or du monde, Lydia. Je ne sais comment te remercier, Brutus. Eh bien, tu sais l'intérêt que je porte à ta cousine Lydia. Tu pourrais faire en sorte qu'elle ne parte pas à Rome. Je ferai mon possible. Ce ne sera pas facile. Mais je te promets d'essayer, Brutus. Plus rien ne te retient ici, ma sœur. Nous pouvons partir dès demain. Qu'en penses-tu, Alix ? Qu'il vaut mieux être prudent. Demain, nous irons voir le préfet de Tarquini et nous lui demanderons qu'il nous prête une escorte. Eh bien, comment vont mes chères petites murènes ce matin ? Oh, ces vilaines gourmandes ont faim ! Ah, mais c'est qu'elles se battent ! C'est vrai, il y a bien longtemps que je n'ai pas trouvé un prétexte pour condamner un esclave à vous servir de pitance, mes chéris. Maître, des jeunes gens demandent à te voir. Au nom de mon oncle César, je te salue, préfet Vésius Pollion. Salut à toi, je suis très honoré. Mais dis-moi, que puis-je faire pour le neveu d'un aussi grand Romain ? Peu de choses. Nous avons besoin d'une escorte pour rentrer à Rome. Une escorte ? Par les dieux ! Je n'ai même pas assez d'hommes pour faire respecter l'ordre dans ma ville. Assez pour organiser une grande course de chars, si j'en crois les annonces qui couvrent les murs de la ville. Je ne goûte guère ton insolence, jeune homme. Mais toi, peut-être, aimerais-tu goûter la compagnie des murènes de ma piscine ? Tu oserais ? Bah, un accident est si vite arrivé. Ah ah ! Par tous les dieux ! Tu avais raison, préfet. Un accident est vite arrivé. Sur ce, nous te saluons. Sois sûr que César appréciera ta coopération. Brutus ? Tu étais là ? Tu as joué avec le feu, Vésius. Cet Alix est dangereux et influent. Si César apprend ton attitude, ça peut être ennuyeux pour toi. Tu crois ? Mais que faire ? J'ai mon idée. Si tu veux, Vésius, mes amis que tu connais et moi, allons nous en occuper. Il faut savoir se rendre service. Bon voyage, mes amis. Et que les dieux vous protègent. Mieux vaut prendre un autre chemin qu'à l'aller. Allons vers la mer. Cette rivière nous y conduira. Cet endroit est un vrai coupe-gorge. Je n'aime pas ça. Vous entendez ? Nous approchons d'une chute d'eau. Oh, c'est un peu haut pour sauter. Maintenant ! Alix, les molochistes ! Tonnerre ! Nous n'avons plus le choix ! Allez, Nak, vite ! Dépêche-toi ! Saute, mais saute donc ! Passons par là. Ça ira, Alix. Les molochistes arrivent. Il ne faut pas rester ici. Par là, vite !